Bonjour à toutes et à tous, ici Glimco. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit GL sur Fallout 4. Et oui, Fallout 4, un de mes jeux préférés. Et c'est surtout le jeu qui m'a plus impressionné cette année concernant les DLC à venir. Dont, dont une série de 3 autres DLC, on ne sait pas si c'est les derniers. Ma date, c'est les derniers à date. Mais évidemment, il y en aura d'autres. Le premier DLC, ça va être sur un workshop. Le deuxième va permettre de créer une abri souterraine. Et le troisième, ça va être au parc d'attractions New Car World. Ah, un parc d'attractions qui devrait amuser les plus petits. Vous voyez, mon personnage est un ghoul. Ça, c'est une autre magie des mods. Et le manteau de l'aîné Maxon que j'ai eu sans avoir à le tuer. Ça avec, c'est un autre mod qu'on appelle le Cheat Room. La Cheat Room. Et l'autre affaire, c'est pour jouer avec un ghoul. Une ghoul. C'est deux mods que je vous recommande. Pourquoi? Eh bien, pour ça. Mon personnage, il n'y a pas de combinaison. Donc, pas de combinaison anti-radiation. Il n'est pas bien avec des combinaisons anti-radiation. Puis, gardez. Vous voyez, je peux me promener dans la mer luminescente sans combinaison à cause que mon personnage est une ghoule et une ghoule, ça résiste à tout. Sauf aux balles, évidemment. Et d'un autre côté, qu'est-ce qui est merveilleux d'un autre côté? J'ai une affaire qui s'appelle, avec la Cheat Room, un cheat ring, un anneau de triche, God Mode, qui permet à moi d'être immortel. Ouais. Et ça, c'est du Fallout à son meilleur. Dans le fond, c'est comme Skyrim. Tu peux rentrer un code de triche qui s'appelle TMG pour être immortel. Mais TMG, version française de God, abréviation de God Mode. Mais console de triche dans Fallout 4, du coup, ils ont décidé de faire ça en mode. Ah, c'est vraiment bien passé, Bethesda, ouais. Ou le modeur qui l'a fait, je sais pas trop c'est qui, mais bon. Ce gars-là, c'est un putain de génie. Mais il n'y a pas seulement des génies dans les jeux vidéo. Il y a aussi des crétins. Des crétins, des choses en tout genre. Ouais. J'en ai eu la preuve hier. En jouant un jeu en ligne. Un jeu en ligne dans lequel... Monsieur et Madame tout le monde, un gars que je connais pas. Hein, oui, chez le monde parce qu'il attend de parler puis ça faisait pas son affaire. Bon. Ok, genre, t'as un problème, je te connais pas, je te parle pas puis tu commences à me shooter ta gueule. Ouais. T'as vraiment un problème, sérieux, mon gars. Yeah, si t'es pas capable de gérer tes problèmes de nerfs, Chris, joue à Minecraft. Minecraft, c'est conçu pas exactement pour des joueurs comme toi qui sont même pas capables de contrôler leur putain de nerf. Ouais. Y'en a-tu des joueurs spéciaux dans les jeux en ligne? Ah, moi, à chaque fois que je vois ça, je capote. Ouais. Je me dis, ouais. Y'en a des fois, quand je mets le micro dans le téléphone online, y'en a qui pensent parce que je veux socialiser. Non! C'est parce que je veux voir quel type de joueur qui est connecté aujourd'hui. Pour savoir à qui. Je shootais plein de conneries du genre. Je vais essayer de trouver ton adresse, je vais te casser la gueule. Ouais. Moi, je te dis, tu vas tellement la trouver, mon adresse, je suis sûr de ça. Puis là, finalement, le gars, il a arrêté de parler. Le gars, il a comme découvert la. La révélation du... il a découvert l'astuce du siècle. Le bouton on-off. Yes! The button on-off. Open and close. Il vient de découvrir que ça pouvait s'ouvrir, mais ça pouvait se fermer aussi. Et après ça, j'étais peinard la moitié de jusqu'à la fin de la session. Merci. Tu vois, quand tu veux, t'es capable de la fermer. Fait c'est surtout que c'est juste ça qu'on entend, c'est pas moi, c'est la seule question à l'ouvrir.
Chris, bien qu'on a. Tout ça pour qu'ils sont rendus bas en Chris, ouais. Mais bon. Que je leur pour certains pour vidéo désolé mon là le gars il va être une putain de victime ouais. Va lui faire la vie dure. Ouais. Tout ça pour ça, là. De jouer à division. Oui, parce que... Si vous avez vu... de faire du live pour amuser les autres. Et surtout que j'attends online et je fais des passe mieux. Et nous je vois pas beaucoup de jets pour regarder des photos, mais bon. Et d'un autre côté, vous avez sûrement entendu parler aussi que Star Wars Battlefront pour la des foutus droits d'auteur. Wow. Mais bon, voyez-vous à la place, il y a du lourd à... y a-tu vraiment du lourd à venir? Le Division va faire des petits gels là-dessus sans micro évidemment parce que ça tente pas ça le GL. Et que ça vient tout. Ça venait comme Quantum Break et compagnie. Et aussi des jeux, plein de jeux rétro-compatibles. Ça va être que du fun et que du bonheur. Bon, 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 Twitch, je te calme, mon scorpion. Cette année, le 3, ça n'a pas été vergeux. Bethesda, ils ont essayé de voler la vedette du mieux qu'ils pouvaient, mais ils ont été lamentables. Ils n'ont pas pensé qu'ils ont volé la vedette de tout faire. Ben nous, tellement pas attendu que finalement son annonce a été fait ouais dans le fond que petit annoncerait une nouvelle bière ouais c'est ça puis de plus ça a été tellement typique la seule chose qui m'impressionne et de ça Skyrim Remastered tout. En faire un mané vu que ça a été un gros jeu et voilà et en plus de vinic les mods c'est populaire dans ouais. Le 3 c'était vraiment vu. Ça on m'attendait à mieux aussi parce que surtout Bethesda
dis, il parlait de Dishonored, il misait tout sur le studio Arkane Studio. Il y a même chose, voyons, il y a même Arkane Studio, ils ont présenté deux jeux Quake Champion. Non, pas Quake, une affaire d'espace, Prey, un reboot de Prey en plus d'un reboot à plus d'une suite à Dishonored. C'était juste du concret, du déjà vu. Je trouvais ça lamentable. Rockstar ne Rockstar. On va vous faire. On va vous faire un. On va vous faire un Red Dead ou un 3 finalement. Puis il y a des conneries dans. Ouais, après. Tout à l'heure. Ouais. Bon. Et 3, ça a été une grande option. En deux mots. En non, en deux secondes. Tout. La fout dans le pied. Bethesda se prend pour le. Et Rockstar nous gratifie. Microsoft va t'arriver avec les projets. Tu fais. Pense à voir c'est quoi, c'est le même le monde où toi tu. Quoi où? On est excité. Ouais. C'est vraiment. Go. Je vous le dis. Bon, j'espère que ce TGL vous a plu. Et n'hésitez pas à aller sur ma chaîne YouTube, révamper. Regardez. Et chaque vidéo que vous. Vous autres, mais c'est bon pour moi. Parce que chaque gratuit. Chaque. Dans le fond, si vous aimez, c'est tant mieux. Lâchez un petit pouce bleu si vous aimez. Ou un petit pouce. Pas vu que vous aimez ou vous aimez pas. Donnez vos commentaires et soyez toujours. Et puis, bref. Ouais, fait que.
merci d'avoir été là et à la prochaine.